l'impression que ça se transmet sur Channel One, c'est ça. Main en l'air. Alors ? Hein ? C'est assez convaincant. Non, il y a aussi la gestuelle et la façon de parler. Tâchez de faire exactement comme je fais. La parade doit avoir lieu à Junon-Lor. Tâchez de vous y rendre en avance, si vous ne voulez pas courir le risque d'être disqualifié. Halte là ! Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard. Mes excuses, chef. Mes excuses, chef. Bande d'imbéciles. Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous? Chef, oui, chef. Dépêchez-vous d'entrer. On va voir si vous impressionnez la commandante. Et appliquez-vous bien. Si jamais vous faites la moindre erreur, on vous donne en pâture un des béhémotes. Bon, c'est comme tous les militaires. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens encore assez bien des mouvements. Faites pareil que moi. C'est facile à dire. Arrêtez de bavarder! Émaniez-vous un peu le train! Oui! Garde à vous! On peut dire que vous avez du toupet d'avoir manqué l'entraînement. J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade. Très bien. Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ. Si vous commettez la moindre erreur, je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbol. Il faudrait savoir, un behemoth ou un morbol? Alors, mini-jeu. Hante, ok. C'est comme le Honeybee sur le remake, ça va être un QTE. Alors, entraînez-vous à effectuer les différents mouvements pour la parade. Appuyez correctement sur la touche indiquée à l'écran au bon moment. Permettra à Claude de transmettre ses ardeurs à ses compagnons d'armes afin de réaliser une bonne performance. Losange rouge, appuyez une fois sur la touche. Losange jaune, appuyez plusieurs fois sur la touche. Et le bleu, maintenir la touche. Ok. Raté. Ok. Un rond, c'est un rond. Allons, courage. Continuez comme ça. La 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 la. S'entraîner une fois de plus, oui, j'aimerais bien avoir un combo parfait. Allez, on recommence. Tout ça sera utile pour la parade finale, donc. Vous êtes prêts, non? Dans ce cas, commencez. Ok,
Mince. Ah, je regarde le chat et du coup je regarde pas ce que je fais. On va recommencer encore une fois après. Toi tu veux pas des grenades à la fin, c'est ça. Restez quand même un peu concentré. Encore une fois. Allez, on se concentre. Vous êtes prêts, non? Dans ce cas, commencez. Voilà. Excellent, partout. Impeccable. Tentez une fois de plus, ça devrait être bon. Cette exécution à la fois précise et nette. Cet équilibre parfait. On la connaît, elle ? Où étais-tu caché tout ce temps ? Non. Que diriez-vous de lui confier la tête du peloton pendant la parade ? Félicitations. Je te promeus dès maintenant au grade de capitaine de la 7e d'infanterie de Midgar. Nous te confions un rôle très important. Tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres. Évidemment. L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules. Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur. Oui. Bien. Avant le début de la parade, rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie. Bien qu'ils soient en permission, ils se déplacent sûrement groupés. Pour bien faire, il vous faut réunir au moins 5 unités. Ici, sur la manche de leur uniforme, ils ont tous l'écusson de la 7e d'infanterie. Lorsque ce sera fait, conduisez-les au site de la parade à Junon Nord. Je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois. C'est bien compris? Et maintenant au travail. Oui. Oui. Alors, en tant que capitaine pour la parade, il revient à Claude de réunir les unités de la 7e compagnie d'infanterie de Midgar. Celle-ci profite actuellement d'une courte permission pour visiter la ville de Junon. À vous de les retrouver. Notez que les formations que vous pourrez exécuter lors de la parade dépendent du type d'unité que vous aurez rassemblée. Lorsque vous en aurez retrouvé au moins 5, vous pourrez changer de formation. Comme bon vous semble. Réussir le moment difficile augmentera votre évaluation. Ok. Alors c'est oui chef en anglais, c'est yes sir, alright sir. On s'en est pas trop mal sorti. Dis, on pourra vraiment s'approcher de Rufus en étant dans la parade? C'est pas le plan. On vise le prix spécial. Normalement, c'est Rufus en personne qui devrait le remettre. Oh, c'est osé, fallait y penser. Audacieux et très ingénieux. Ok, il y a 10 unités. On va chercher les 10 unités évidemment, parce que j'aimerais bien réussir à faire la note max. Pam, pam,
Alors on doit réunir des gardes qui sont en ville? Ouais. Ceux de la 7e d'infanterie de Midgar. Tous ceux qui portent ce brassard, c'est ça? Au boulot. Un petit peu trop d'exposition quand même, hein. On avait compris dès la première fois que c'était ceux avec le brassard. Pam 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 pam. C'est bon ! Je peux prendre... Ah, capitaine, vous tombez bien. Vous voulez bien prendre la photo pour nous ? C'est quand vous voulez ! Merci infiniment. La photo est parfaite. Je n'aurais pas fait mieux. Je l'encadrerai et je l'accrocherai à la caserne. La pose est terminée. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Oui, chef. C'est juste au cas où t'aurais oublié il y a 30 secondes. D'accord. Je refuse. On se verra tout à l'heure. Ok, il va falloir trouver toutes les unités. On va faire dans l'ordre, sinon je vais en risque de m'oublier. Merci bien. C'est joli ici. Sur un ton ironique, quelle partie est sur un ton ironique? J'ai pas. Je trouve ça plutôt vraiment joli en fait. Il est où le tampon suivant? Ok, y en a là, ils sont dans la boutique là. La parade sera aussi retransmise à Midgar, pas vrai? Moi j'espère que les gens qui ont tout perdu reprendront courage en nous voyant défiler là. Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous, capitaine! Pour l'ensemble, mettez-vous en rang! Garde à vous! La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! La phrase avant. Ah oui, ok, t'as oublié. Je sais pas où ils sont allés, par contre. Dans le mur, peut-être. C'est un vrai travail d'enfer. D'accord. Capitaine, on est à vos ordres. On est à vos ordres. Et donc, il me suit vraiment en fait. Ah bah bravo les gars. Apparemment, après cette mission, je serai réaffecté à l'unité chargée de la traque d'avalanche. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion, là? Regarde son casque! Oh, veuillez me pardonner mon manque de respect, capitaine. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. Oui, chef! Ok. Peut-être que je devrais aller lui parler. Mais elle dégage une. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ushimra, le nouveau président de la compagnie, a été. Une turque. Oui, sans doute. Au comptoir. J'ai pas vu. Attends, je vais remonter. J'ai raté une turque. J'avais supposé que la brigade pour trouver Avalanche c'était les Turcs. Attends, je remonte voir, j'ai raté. Capitaine, ah oui, Elena. Tiens.
va participer à la parade. Oh, j'ai été un poids pour Ruth dans la nuit. Et en plus, je crois bien que Tseng s'en est rendu compte. Bien vu, j'avais raté. Qu'est-ce que tu veux ? Le nouveau président de la compagnie a atterri ce jour à l'aéroport de Junon où il a été accueilli par de nombreuses troupes de garde. Il a tout d'abord assisté à la fantastique parade militaire. Il y a tellement... Ça fait plaisir de voir les gens. C'est Junon qui remportera le prix présidentiel. Personnellement, je suis persuadé que... Ah, capitaine ! Capitaine, puis-je vous poser une question ? Quelle formation avez-vous choisi pour la parade d'aujourd'hui ? J'aviserai en fonction de notre forme et de la situation. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre mes ordres. C'est compris ? Allez, sortez d'ici. Oui ! Oui ! À vos ordres, chef ! Chef ! On va y jouer avec des petites unités. Hop. Voilà. Ils ont pas de bandage, c'est pas les miens. Je connais un bon dicton. Un casque bien. Tiens, j'ai de l'air. Monsieur le garde, scan en cours. Candidat potentiel repéré. Tiens. Mais c'est vous, Cloud? Pourquoi portez-vous cette tenue? Non, ne me dites rien. Je suis prêt à parier que vous êtes en mission d'infiltration très secrète. Alors, vous chute. Vous pouvez bien sûr compter sur ma coopération. Capitaine, en quoi puis-je vous assister aujourd'hui? Mais d'accord, on peut avoir d'autres choses. Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine fois. C'est excitant. Immunité diplomatique. Merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. Alors ça nous ramène sur la rue, donc je vais pas y aller tout de suite, je vais essayer de finir la rue intérieure d'abord. D'accord. Et Red qui est en train de jouer avec des enfants. Dites-moi, comment vous sentez-vous ? Que voulez-vous ? Nous sommes en pleine interview là. Oh ! Mes respects, capitaine ! Vous êtes donc leur capitaine. Je vous prie de m'excuser. C'est une chance de vous avoir. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions à vous aussi. La compétition s'annonce très rude lors de la parade. Pourriez-vous nous dire quelle est votre stratégie pour gagner? Vous êtes sacrément malin, capitaine. Vous savez que si vous dévoilez notre stratégie secrète, elle sera plus secrète. Bah oui, hein. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Oui, chef. Chef. J'en ai 5, en théorie je pourrais y aller, mais je vais tenter de tous les trouver quand même.
Alors, il y a un autre étage. Je suis tellement impatient de voir le spectacle de la brigade motorisée. Au fait, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, le nouveau président? On est en train de répéter. Venez pas nous déranger. Ah, c'est vous, capitaine! Je vous prie de m'excuser. Fini l'entraînement. C'est l'heure d'y aller. Suivez-moi. Oui, chef! Oui, chef. Par contre, ils sont tous irrespectueux dès qu'on les interrompt. Hein. Avant de s'apercevoir qu'on est leur chef, évidemment, mais... Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Oh, un coffre. Allez, bâtiment suivant. Je vous souhaite la bienvenue dans la librairie Magnata de Junon. Mes camarades et moi sommes les Magnata Girls. Nous sommes ici pour vous présenter nos recommandations de la semaine. Le livre que j'ai choisi a pour titre Le Dernier Vol. Il n'existe pas à mes yeux de meilleur roman que celui-ci. Il raconte l'amour interdit d'un pilote D'accord. et de sa commandante. Je ne peux pas retenir mes larmes à chaque fois que je lis la scène dans laquelle elle lui donne l'ordre de partir pour le front. Alors, spoiler. Elles sont accueillantes, les petites, n'est-ce pas? Amélioration du codex. Ok, niveau 4. Sachant que j'ai pas beaucoup de PA, Eris, qui a 10 PA, peut-être que je peux débloquer un truc pour Eris. On va prendre l'appui amical. 5. Ok. Merci, capitaine. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Merci beaucoup pour votre visite. Et cette broche, tu crois que ça lui plairait? Ah, capitaine, vous venez au bon moment. J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mitrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis? Et arrête de dire n'importe quoi. Désolé, capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, chef. Je recommande sincèrement les produits de cette boutique. Ok. Bienvenue. Alors, on commence à avoir pas mal d'unités quand même. Il est trop cool ce chien. L'uniforme vous va bien? Ça alors, tu nous as reconnus. Grâce à votre odeur. Eh ben, t'as une sacrée truffe. Depuis qu'on a quitté Midgar, je retrouve progressivement mon flair d'origine. Et à ce propos, j'ai hâte de m'éloigner d'ici. Je me demande quelle portée peut bien avoir ce grand canon. Là, c'est les premiers que j'ai récupérés. Il faut que tu presses de temps pour plus fort. Eux, ils sont à moi, non? Ils ont... Non, c'est pas les bons. La prise de fonction du président. La citadelle de Junon me déçoit pas. Il y a vraiment toutes les armes qu'on veut ici. Oui, mais n'oublie pas pour quelle raison on est venu dans cette boutique. Bien sûr! Si on est ici, c'est pour la maquette originale du grand canon. Vous avez bien fait! Félicitations! Félicitations, chef! Allez, repos, repos. Ok, j'ai l'impression que j'ai fait toute la rue intérieure. Ouais, on va passer par là. Hé, hey, regardez! Ah, tiens! Mais non. Rude, pardon. C'est plutôt louche.
C'est du Red Dahl qui serait content. C'est louche, hein, donc on va aller voir. What? Rude, vous pouvez leur expliquer? C'est votre première fois? Pour boire avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. C'est la règle qu'on suit tous ici. Ouais, il faut être chauve aussi. Attendez un peu. Me dites pas que vous vous laissez pousser les cheveux. Voilà, j'en étais sûr. Vous vous adressez à notre capitaine. Capitaine, vous êtes ici dans un bar un peu particulier. On ne peut pas y garder son casque. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, à vos ordres, chef. Ok. Si vous voulez être des nôtres, vous devez le prouver en enlevant vos casques. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire si je me suis bien rasé le crâne? J'ai l'impression que ça pouvait être... Bon, on commence à avoir une belle troupe. Ah, il en reste capitaine, deux. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. On va supposer qu'ils sont peut-être dehors, les autres. Ah, tiens. Que dirais-tu du bar, le sourire? Bah non. Ah, là, là, là. Papa, dis-leur que t'as bougé. Voilà donc le fameux canon à Mako de Junon. C'est incroyable. Il est bien plus grand que je l'imaginais. Qu'est-ce qu'il y a? On est occupé là. Imbécile, c'est notre capitaine. Hein? Ah, excusez-moi, capitaine. La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! Ok, il nous reste une à trouver. C'est vrai qu'il est grand comme canon. Ok, ils sont pas à la roi. Je vais pas aller par là parce que ça sent être le départ de la parade. A priori pas dans la rue même. On va refaire les façades de ce côté là. J'espère que vous sortirez de compte parfaitement synchro. Excusez-moi, c'est pour la chaîne GSN. Accepteriez-vous de répondre à une interview? Ce ne sera pas long. Que pensez-vous de la citadelle de Junon me défend? Ah bah si, c'est... Ok, les voilà. Il y a vraiment... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Aussi, t'es venu. Allez, c'est bon, on a trouvé tous nos hommes. Imbécile, regarde son casque. Oh, capitaine, je vous demande pardon. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. À vos ordres, chef. On va faire une petite sauvegarde avant. Si jamais ça se passait pas bien, on puisse recommencer la parade. Bon, voilà tout, Bigor. Allez. Pam 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 pam. Septième d'infanterie de Midgar.
À votre commandement. Je vois que cette fois, tu n'es pas en retard. La parade va bientôt commencer. Vous êtes prêts à la rejoindre, j'espère. Oui. Changer de formation. Formation Ifrit, formation Shiva, formation Ramu. Comment je change cette voix de douloureuse me dit un truc sur FF14. Je crois que c'est Yashtola. Ah, peut-être. Bon, je pense qu'on y va comme ça. C'est à l'avance à peu près ce que ça va donner, donc du coup. Bon, je vais pas me spoiler. On va voir ça. Allez, c'est parti. Septième compagnie d'infanterie de Midgar, écoutez bien. C'est à toi. Compagnie. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tout Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers. Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui. C'est à toi, faut conclure. Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef. Ensemble, nous ne pouvons pas perdre. Oui, chef. Compagnie en avant. Nous sommes les meilleurs. Oui, chef. Capitaine, il est temps d'y aller. Ah, oui. Rendons-nous à Ouais. C'est un peu laissé emporter, là, Claude. À quand remonte le dernier tir ? Il y a 5 ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'à des fins cérémonielles, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Ha ha ! Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure.